Salut, salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons faire du poisson frit aux légumes vapeur et aux champignons. Restons connectés pour la suite. Pour réaliser notre recette, nous avons besoin des tranches de poisson, des pommes de terre, des carottes, des champignons, des oignons, du romarin, de l'huile d'olive, un peu d'eau, des épices et herbes camchef, du piment camchef et de la sauce d'assaisonnement camchef. Restons connectés pour la suite. Après avoir prêté tous nos légumes et salé notre poisson, nettoyer nos champignons, découper les oignons, les carottes et les pommes de terre, nous allons passer directement à la friture. Nous allons mettre de l'huile pour faire frire le poisson. Nous allons déposer le poisson dans la poêle pour la friture. Dans une casserole, nous allons mettre un verre d'eau. Et là-dedans, nous allons ajouter nos pommes de terre et nos carottes. Nous allons couvrir notre poêle pour éviter les éclaboussements de l'huile. Là, nous allons ajouter les tiges de romarin. Voilà. Mettons un peu d'oignon. Nous recouvrons notre casserole. Exactement. Un peu dans notre poêle. Voilà, après 5 minutes de cuisson, nous allons ajouter nos champignons et le reste de nos oignons dans nos pommes. Et nous allons recouvrir notre casserole. Nous allons mettre le reste de notre huile dans nos légumes et les oignons, le reste d'oignons dont nous avons fait sur le poisson avec. Nous allons ajouter par-dessus nos épices et sel aromatiques. Et voilà. Et nous le recouvrons encore. On peut le laisser mijoter pendant 2 minutes. Voilà les amis. Nos légumes déjà bien cuits et bien gratinés. Nous allons passer au service. Voilà notre poisson déjà bien gratiné. Nous allons maintenant passer au service avec les légumes. Nous allons passer, n'est-ce pas, au dressage du plat. Nous allons ajouter du piment parce que nous mangeons pimenté sur notre poisson. Les amis, notre poisson frit aux légumes ainsi terminé, il s'accompagne de l'assaisonnement camchef, la recette déjà sur YouTube. On a juste besoin d'arroser nos légumes afin de le déguster. On l'arrose généreusement. Voilà. Nous allons passer à la dégustation. Bye bye.